Nous sommes de retour. Ah, pour vous voir. Mais putain. Nous sommes de retour. Pour vous voir un mauvais tour. Je suis Amé. Je suis Lord. Bonjour à tous. Ignorons ce qui vient de se passer. Oui. Oui, ignorons. Aujourd'hui, jour très spécial. On est surexcité. Mais quand je vous dis surexcité, c'est... On est sur le mot excité, quoi. À peu près à ce niveau-là, de surexcitation. On est surexcité. C'est nul. Aujourd'hui, on ouvre des boosters. Mais pas n'importe lesquels, parce que ce sont des boosters rétro. Donc, des boosters d'une série que je trouve... fantastique, une des plus belles séries du monde. L'appel, les légendes. Une série qui a presque 10 ans. Ça va être la folie. Et on va prendre notre temps. Et j'espère qu'on va avoir des magnifiques cartes. Parce qu'on peut avoir en fait des légendaires comme Kyogre, comme Deoxys, comme Lugia, comme toutes ces cartes-là en shiny. Il y a plein de shiny légendaires et elles sont magnifiques. Et j'espère trop qu'on aura Entei ou Ho-Oh. C'est vraiment les deux. La crème de la crème et Rayquaza, c'est très très cool. Mais Entei et Ho-Oh, ce serait la folie absolue. En soi. Moi, je cherche pas. On ne sait pas. On commence. Attends, on fait une table de miniature. Une, deux et trois. Je crois qu'il n'y a pas de type. On va pas pouvoir s'amuser. Tu sais, on va s'amuser, mais différemment d'habitude. Que là, ce sont des cartes de folie. Tu es prête? Je crois qu'il n'y a que l'énergie et l'obscurité. Donc, dans tous les cas, donc, ça contredit tellement ce que je veux dire. C'est génial. Non, c'est... Alors, énergie, obscurité, ok. Et ce que j'aime. Waouh, quoi, les... Il y a les trois évolutions et à chaque fois avec une pierre. Et elles sont magnifiques, les évolutions. Il y a une pierre ici, 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 ici. Non, mais ici, c'est une pierre haut, c'est vraiment. Et le bord des cartes est super joli aussi, je kiffe bien. Le c'est, bord il est ici, ici, ici. Ici et là. Même moi ça commence à me suivre. Bah tant mieux. Donc, Acoly qui était magnifique. Sylvipère qui est. C'est Sylvipère. Non, en vrai, il est assez sympa, le polymère est cool. Ah, Tignon, il est cool, je crois qu'on l'avait déjà, malheureusement. On n'a ouvert qu'un seul booster de cette collection pour l'instant. Smogo, qu'est-ce qu'il est beau. Non, il est pas juste cool, il est trop badass. Germignon, qui est sympa, cool. Mais sans plus. Il est cool. C'est toi qui es cool. Irisandre, qui met le feu à la forêt. Qu'est-ce qu'on kiffe. Tel Johnny Hallyday. Tel Tony. Ah, le Kikli, yes. C'en a les deux. Trop trop badass. Oh. Ça commence bien. Je suis content. Allez. Et diffusion. Je suis... Ça m'enlève une pression, je me suis dit ça trouve les mecs, il les a pesés, nanana. Mais apparemment, même en pesant, on sait pas forcément s'il y a des bonnes cartes dedans ou pas. Mais c'est tellement cool. J'allais dire quand en fait les gens qui ont pas d'ongles, mais genre je les ai rongés pendant tellement d'années. Le conseil du jour c'est ne vous rongez pas les ongles. Toujours de très bons conseils, hein. Buvez de l'eau, ne vous rongez pas les ongles. Non mais oui, mais c'était du sport aussi, enfin... En fait ce que je fais pas... non, je me ronge pas les ongles. Ah mais du coup il y a rien à... Si là il y en a 3. Mais du coup pas 4 avec non, le... Non 3. Mais le Typhlosion c'était vraiment... C'est la rare, ouais. Parce que ça prend la place de la Reverse les Shiny légendaires. Parce que c'est un Shiny légendaire ça pue. Waouh. Mais encore. Mais c'est pas vrai. Non mais il n'y a pas d'énergie. Bon bah à chaque fois on dira Ténèbres et puis voilà. Un supporter. Donc, les encouragements hystériques mon pote. Ah elle est intéressante, elle a un nettoyeur perdu, très bien, ok. Intéressante qui met le feu à la forêt, on kiffe hein. Hello Johnny. J'aime beaucoup les yeux astra... Enfin, les ok, il est sympa, mais c'est pas le meilleur pour l'instant. Regarde, en fait, il y a tout un espèce de thème que je comprends. Enfin, avec des arbres un peu comme ça, tu vois. Genre, et je kiffe, ça fait un peu japonais, un peu mystique, un peu cool. Kaiminus, ok, le troisième... Ok. Oh là là, mais on a de la chance. Reverse rare Mentali, mais mon dieu. Mais qu'est-ce... Mais... Je la sleep direct.
Et oh, en holographique, mais purée. Ah, oh, c'est pas Chaniro, mais purée, c'est quoi ce booster? On est à deux boosters. On est à deux boosters. Ah, je suis content. Oh, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Mais là, tu as perdu. C'est vrai, elle est trop belle. Ah, ça me... Ah là, c'est le cri hystérique, là, comme au début, là. Non, encouragement hystérique. Encouragement hystérique, mon pote. Ouais, on peut déjà être ultra content de nos poules. Mais vraiment... Ténèbres. Ah, type ténèbres, allez. C'est cool. Ah bah non. Oui. On s'est fait troll. La chronium, ouais, elle est assez cool, là, pour le coup, j'avoue. D'enfant. Ok. Copieuse. Pourquoi copieuse? Il y a même ma fâche à quoi? Ok. J'aime bien quand même. Reliquante. Je suis pas fan du Pokémon du tout, mais l'illustration est pas mal. Le Tignon, encore, on commence à connaître. Oh, Snubbull, elle est parfaite. Tellement vénère et tellement cute à la fois. Oui. Ah, le petit champi. Mais il est cute. Juste cute. Le Fauforel, encore, on aime bien. La Reverse, c'est une Reverse Smogo, cool. J'aime bien, j'aime beaucoup l'illustration, c'est stylé. Et en rare, on a... holographique. Et ben voilà. Non mais purée, j'en peux plus. Je suis au bout de ma life. Mais on va se libérer tout ça. Voléox. C'est vraiment. Ah putain, je suis un connard. Je suis tellement dans le truc quoi. C'est une super journée quoi. En tant que collectionneur, en tant que fan de Pokémon. Parce qu'en fait pour moi c'est une journée de merde. Non mais je peux pas vous imaginer. Dans un marginet. Terrible. Donc là c'est 3. Et c'est un petit peu de ténèbres. Tu dis quoi? Type ténèbres. Mal centré? Non, je sais pas, j'ai l'impression de les sentir un peu mal. Alors, commençons. Archive des recherches. Oh, elle est pas mal, j'aime bien. En plus, il y a l'air rare. Ah, l'évolution avec la branche et tout, le fond est trop cool. Et moi, je me demandais si vous n'avez pas fait un truc où si tu les mettais à côté, ça faisait un arbre. Non, mais tu sais, si tu les mettais les unes à côté, ça faisait l'arbre. Ce sera tellement cool. Le Watt, un peu. Snubble, tu veux dire quoi? Les petits Teddy, là, ça. C'était une de mes cartes préférées Teddy, en fait, évidemment. Fampi, l'Evoli, il est trop chou, elle est magnifique, j'adore ce carte. La Reverse, oh, Lucario Reverse, c'est une rare Reverse rare, mais c'est pas aujourd'hui. Et Snorlax, le Ronflex, elle est très jolie. Mais alors là, Lucario, elle dégomme. C'est le premier booster où on n'a pas une holo ou un shiny, quoi. Et on a une Reverse rare, je veux dire. Type ténèbre. Macarena. Type ténèbre, moi je vais dire, je sais pas. Type ténèbres. Ah, c'était pas ça. Maggie, qui le mouvement et tout, et les couleurs, j'aime beaucoup. Elle est vraiment cool. Entraînement de sage. On l'a déjà. Et en vrai, je n'ai même pas fait attention, mais elle est trop cool. Le crocodile. C'est joli. Allez, crocodile. C'est quoi la petite gemme? Je sais pas ce que c'est, mais je me rappelle plus. Elle est magnifique, vraiment, elle démonte. Genre le fond et tout, le style de là. Évoluer. On a déjà vu des durs, ça aussi, on a déjà vu, toujours cool. Oh, Miss Dibule! Elle est badass. Le petit Kikri encore, là on va atteindre la Reverse. La Reverse c'est Meganium, donc Reverse rare. C'est pas mal, hein? Là pour l'instant on est pas dégueu, hein, pas dégueu du tout. Et enfin, Mangriffe, je suis pas un fan absolu, je sais qu'il a une bonne communauté de fans, mais... Pardon. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas très grave. C'est dans le mauvais sens. Mais au moins, il est nickel. Allez, hein. Il est impeccable. Type ténèbres. Oh, elle est trop cool. Florisson, j'avoue. Hey, on a pas mal de cartes différentes. Ah, type ténèbres, on avait raison. Les encouragements hystériques. Bon, j'allais dire mince, mais on l'a dit. Mais le malaise, elle est stylée. Mais on l'avait pas déjà. Je me demande. Parce qu'on dans le booster, c'est une odeur. Le Goupix, celle-là on l'a, mais elle est magnifique. En vert, ce serait cool. Le Finard aussi. Il faut absolument qu'on ait le Finard parce qu'il est incroyable. Rambolus. Reverse Tignon, oh cool. C'est bien.
et Démolos holographie. Je suis très très fan de Démolos. Les cartes Démolos, c'est un des Pokémon que je trouve le plus beau au monde. Genre, dans ses premières cartes, c'est... quand j'étais gamin, c'est elle me faisait rêver. Je suis très content. Et je tiens à préciser quelque chose, c'est que les boosters ne sont pas pesés dans le sens où j'ai acheté les 10 en ligne sans savoir ce que j'allais recevoir réellement. Donc c'est vraiment de la pure chance et je suis heureux. Voilà, je tenais à vous le dire. Je suis joie. Et il nous reste 4 boosters. 1, 2, 3, allez, qu'est-ce que ça va être? Copieuse encore une fois. Intéressant cette carte. Wow, ok, beaucoup trop badass, Junior. C'est toi qui veux me dire adieu. Je sais pas si c'est de la 3D ou autre, mais je trouve que vraiment, comme le sac de nœuds est trop joli. Remets les lunettes pour voir, l'experte. Ah, si, c'est possible. Qu'il ait été fait, si, je pense. Et je trouve trop trop cool, comme le sac de nœuds. Je vois pas trop, mais parce que... Le nettoyeur. Ouais. Le Ramolos, on commence à en voir pas mal de fois. Oh yes, le Magikarp, il est magnifique. Encore une fois, un truc un peu japonais. Ah, le Mélophée. Il est sympa. Il change un petit peu des autres cartes de Mélophée qu'on a d'habitude. Le Rougoule, très très cool, alors que c'est juste un Rougoule. Justement. Le Watt-Watt. On va... La Reverse, c'est un Aquali. Ah, mais... Ah mais oui, on l'avait, mais pas en reverse, c'est ça. Oui. Wow. Et en dernier... Ok. Alors, je vous ai fait un petit switch par rapport à Démolos. Sachez que Groudon est mon Pokémon du cœur, de Ruby. Et je l'ai eu pendant tellement longtemps, le Groudon. Et c'est vraiment de mes Pokémon du cœur. Genre, j'ai peut-être, allez, 15-20 Pokémon que je kiffe de toute ma race, mais Groudon, top 10. C'est quoi cette ouverture? J'en peux plus, ça me bouffe mon énergie tellement je suis heureux. En tant que... T'es Pokéfan? Pokéfan? Ténèbres! Et quand même. C'est Ténèbres, tu m'attends même pas! Mais si, je t'attends. Je l'ai jeté à la poubelle aussi. Oui, c'est vrai. Oh, Pieroli, trop beau! On l'avait pas. Hein? On l'avait pas encore? Non, je crois pas. Ou peut-être qu'on l'a eu avant, mais pas dans cette ouverture. Mais il est trop beau en tout cas. Le Frambi. Le Reliquant encore, ok. Le Hérisson qui met le feu à la forêt. Le Roucoule, cool. Très très cool. Snabble ensuite, la petite Reverse. Crabble. Reverse en 13, bon ok, bon un supporter mais ça c'était bien. Et le Mangrake, ok, bah le premier tout le monde, c'est pas très grave. C'est... Mais t'es pas... Je vais assimiler la petite entraînement de ça, j'écoute. Mon dernier booster, Appel des Légendes. J'ai envie de continuer à en ouvrir. Oui mais j'en veux encore plus. Un petit peu plaisir. Les ténèbres! 1, 2, 3. Bilabilabilab. 1, 2, 3. Oh, pareil, le coin encore un peu pété là. Et... Ouais, je suis pas. Je suis déçu. Ouais, trop fort! Bah non, type métal. Ah non! On s'est fait avoir pour l'avant-dernier, on s'est fait avoir. Archive des recherches, on l'avait déjà, mais elle est toujours belle. Le Roucoule, c'est cool. Ce serait bien qu'on ait Roucarnage, mais bon, après, si c'est pas une holographique, c'est moins intéressant. Le Mizibu, il est sympa. Le Kikli. Le Farapay. Ça, c'est la Reverse. Non, c'est pas la Reverse. Périssandre. Et là, la Reverse. C'est son grand moment. Raikou. Alors, petite précision, je ne suis pas fan que de Entei, je suis fan des 3 chats légendaires. Ce sont des chats. Enfin, Fela. Ouais, mais en fait, on a l'habitude de dire les chiens légendaires. Je sais pas pourquoi, depuis toujours, les gens disent chien légendaire. Et pareil, je disais chien légendaire, et ensuite, les gens ont dit, ben non, c'est chat. Et j'ai fait, bah oui, en fait, c'est con. Enfin bref. Trop content. Vraiment, c'est trop trop bien. C'est vraiment... La crème de la crème. La crème de la crème, les gars. Ça vaut le coup. Et la dernière. Mélo, elle est cute, c'est bien ça. Et ce que j'aime bien, ce qu'ils font pas toujours, c'est que c'est l'illustration est raccord avec son autre, avec le Mélophée. Parce que dans les séries les plus récentes, je trouve que c'est moins le cas. Voilà, c'est un petit coup de gueule. Mais putain, c'est Raikou quoi. Bon, c'est un rappel rapide, hein.
Mais si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager, parce que des ouvertures comme ça, je sais pas si vous en voyez tous les jours, mais moi enfin je suis assez fier de notre ouverture d'aujourd'hui quand même. Type TNM. Type métal. On verra à la fin. Enfin plus tard, ça se trouve ce sera au milieu. Ça lui plaît. Clarisson. Puis est-ce qu'il y en a des communes et plus Ali, communes qu'on n'a pas? Magby. Feu forêt. Boomer. Hérissambre. Mistibule. Attention, on est à la reverse, non? Oui. Non, pas encore. Non, pas encore. La reverse, mais elle est déjà pas. Ok, bon, un supporter. Un supporter. Et enfin, Hermure. On l'avait pas. C'est pas une holo, mais c'est pas grave. Bon, cette ouverture s'est bien mieux passée que la plupart, je dirais. Ouais. Et là, c'est pour des boosters rétro, qui c'est pas gratuit. Et on peut dire qu'on a de la chance. On va vous montrer un petit peu les poules. Démonte, hein, ça démonte. Dialga. Trop stylé, le OO magnifique, le Léviator ultra badass, le Démolos toujours aussi cool, le Groudon, purée, Aqualine en reverse, ça c'est un super pool aussi, Tignon il est cool, Smogo il est badass aussi, j'ai toujours les mêmes mots mais je suis à fond, Lucario, le mental est incroyable, ce premier booster, le Meganium, l'entraînement de sage, et les encouragements historiques. Les encouragements. L'ouverture est historique, les encouragements sont hystériques. C'est la carte qu'on retiendra le plus aujourd'hui. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. De liker. Est-ce qu'on le mériterait pas quelque part? Est-ce qu'on le mériterait pas? Commentez quelle est la carte qui vous a le plus plu parmi tous nos poules, hein, parce que. Et vous pouvez aussi me dire quelle race de poule vous préférez. Quelle race de poule? En général, élevée en plein air, c'est mieux. Mangez pas les poules. Faites leur décalage. Ceci était un message du comité d'amour des poules. Aimez les poules, aimez-vous les uns les autres, et à bientôt. À bientôt.